Bonjour et bienvenue, on est reparti pour un peu plus d'aventure. Alors, on voudrait aller assassiner des gens. Et après, on doit aller livrer un prisonnier et tout ça. Puis après, on va rencontrer la personne qui s'occupe du refuge. Donc voilà. C'est banal. Là, c'est marrant, ils étaient jeunes quand ils sont passés à côté de nous. Je me demande si c'est pas parce qu'on a... On a des objets volés. Peut-être. Enfin, des objets. On a une côte de mouton volée. Tiens, les mines. Mine des écrins. Est-ce que les mines des écrins réapparaissent à l'intérieur ou pas? Je sais pas. Voilà. Yes. Très bien. Nickel. Nous on a mis en difficile aussi. Pour tout ce qui est endurance, fatigue, nourriture. Ruby et saphir, ça tue. Ça tue. Donc du coup c'est vrai que... bah on peut pas... courir très longtemps sans avoir besoin de manger, tout ça, c'est un peu compliqué pour nous à chaque fois, mais c'est comme ça. Donc, on fait avec. On va être dans la neige. Peut-être du loup par contre, ça serait bien. Ça me fait un peu peur le brouillard. C'est quoi ça? Des brigands. Repère de brigands. Repère de brigands, on l'a déjà fait. On peut se faire les brigands là. On est blindé. Attaque surprise, ok. J'ai cru qu'elle n'allait pas marcher. Par contre, ça c'est nouveau, ça c'est le temple. On va voir un peu ce qui se passe avec le temple. Alors, il y a beaucoup de monde. Ok, encore le truc avec les... Oh, oh non, j'avais pas vu, il y a des artificiers. Bon, par contre, maintenant on a deux tanks, donc ça va. Bon, par contre, il y a toujours ces cons de soudards, là. Alors... Ça, c'est de la boue. C'est un peu dangereux pour moi. Taurus. Artificiel, ici. Ok, ça me paraît potable. Si je le mets là, est-ce qu'on peut passer? Ah non, je vais bouffer tout mon mouvement. J'ai peur que ça soit pas suffisant. Je préfère faire ça. On lui passe à travers comme ça et après on s'attaque directement comme ça, c'est 100%, il n'y a pas de problème quoi. Soda artificier. Ok, maintenant il nous faut le deuxième artificier.
Putain, ça c'est quoi? C'est un soudard. Ah, les deux c'est des soudards donc. Ça va être chaud. C'est pas mal ça. M'attaque pas. Oh, on est bon. Ok, parfait. Il va pas nous retourner, donc les deux artificiers sont bloqués. À quoi qu'attends. Non, oui, non, on est bon, je crois. Artificier, pillard. Ok, on est bon. Alors, toi, on peut peut-être tuer un artificier avec ça. Ouais. J'aurais dû d'abord faire ça, c'est pas grave. Ouais, nickel. Ça va, on a bloqué le feu en pagaille là, ça va. J'aime bien la musique, celle-là, là on dirait qu'il y a une voix en fait qui parle. C'est intéressant. Ok, il chante. Est-ce que je peux... Merde, fais chier. Qui c'est qui nous reste? Ah, t'es engagé toi. Du coup, bon, je peux pas me mettre derrière. Mais... Alors, maintenant, tout le monde meurt. Le tour est pas fini. Je pensais que le tour était fini en fait, c'est pour ça que j'ai dit tout le monde meurt en fait. Pas encore. Tout le monde meurt après. Alors. Artificier. Ça lui annule son attaque ou pas? Ah non, il est engagé, mais... ok. Même ça nous engage pas non plus, en fait. Intéressant. Oh. En fait, il est engagé contre le vent. Il est engagé dans son attaque, en fait. Il est compté engagé dans son attaque.
toi tu vas mourir. Ah, si on en a capturé un autre. Si on essaie de capturer des gens un peu plus. Ouais, mais toi t'es. Ouais, il faut l'encercler en fait. Bon, on peut encercler le soudard là. À la limite. Non, non. Ok. Alors, 57%. Ah putain, ça a raté. Ce qui est bien, c'est que ça use pas des chaînes, enfin je crois pas, hein. Que même les chaînes on les récupère quand on a plus le ben, on a plus de personnes en fait d'enchaîner. Donc c'est bien ça. Encore une chance et après c'est la merde. Voilà, viens avec nous. Très bien. Ah, c'est pas intéressant ça. On va le vendre. Voir l'armure, on va réparer celle-là. Ok, on est bien. Maintenant, on a Trifrin. Alors, la loi, très bien. Ouais, non, ça utilise pas de chaîne quand on loupe. Donc, c'est quoi ça? Tombeau de Tilten. On peut rentrer dedans ou pas? Lac. Alors mercenaires, on se prend pour des érudits et on veut explorer le tombeau. Feriez bien de vous préparer. Des gens disparaissent régulièrement là-dedans. Ok, alors attends, pourquoi tu me vends des cordes? Alors, ça on peut vendre. Pourquoi tu me vends des cordes et des torches? Attends, on va faire des torches. On va crafter des torches. Et où notre... 60% de chance qu'il s'échappe. Elle, on la traite bien parce qu'elle est cool. Je sais même pas quand on la récupère, oui, honnêtement, je m'en rappelle plus du tout. Lui, on s'en cogne. Lui aussi.
Ouais, toi tu vas être un vulgaire animal, toi. Zéro, très bien. Là, on n'a rien à fabriquer à faire. Par contre, des torches. Pas besoin d'en acheter. ok. Boum. Est-ce qu'il faut équiper des torches aux gens ou pas? Explorer. Alors, dans un tambour, vous aurez besoin de lumière conférée par des torches pour explorer. Si votre lumière s'éteint totalement, votre troupe paniquera et ressortira du tombeau. Ok. On a 18. Dans un tombeau, vous aurez besoin... Oui, d'accord, 18. Sortir. Explorer 3. Ah, oh, ok. Ah, c'est ça la vision, là. Lumière 6. On a 6 lumières. Ok, attends, on va refaire un peu plus de torches, alors. Si on peut en crafter, autant les utiliser, quoi. Par contre, est-ce qu'il faut les équiper? Enfin, apparemment non, mais est-ce qu'il faudrait pas les équiper au cas où? Si jamais on rencontre des trucs, créatures, ou je sais pas trop quoi. On pourrait mettre une torche à Taurus. J'en sais rien. Enfin, après, le feu, c'est relou. Hein. Fais voir un peu. On devrait être à... Ouais, 36, très bien. Alors, explorer 3. Ouh, putain, ça tue! Clé grossière. On n'a pas. Rebrousser chemin, explorer. Inspecter. Il y a quelque chose d'inscrit sur cette bibliothèque. Lire. Ah, il faut un érudit. Attends. Érudit. Alors, c'est une prière pour que l'œuvre de l'artiste survive à la destruction. On va aller à droite. C'est vachement... Il y a plein de différentes choses dans le jeu, quoi, de type de style de jeu, quoi, c'est vraiment top. La statue représente un certain Dagan. Quelque chose dans sa posture vous donne envie de chanter. Chanter. Ah, un barde. Un barde. Appuyez sur un au bon moment pour les notes à chaque corde pour jouer correctement la partition. Votre compte dépendra de la qualité de votre représentation. Je déteste ce type de jeu. Oh, le lag. Le lag qui est vraiment bien mal tombé. C'est vraiment cool. De toute façon, ça va avoir déclenché quelque chose. Codex de l'artiste chapitre 1, vous avez obtenu un fragment d'objet précieux. Okay. Est-ce qu'on peut bouger? Yes, on peut bouger. Intéressant. Alors, c'est quoi ça? Ce codex des anciens peut être déchiffré au lutin seulement si les runes suivantes sont apprises. Ok. Fragment d'objet précieux. Les fragments de cet objet détruit attestent d'une majesté perdue. Un érudit pourrait le reconstituer. Ah bon,
de la torche encore. J'ai vu que le temps baisse, donc vous sentez un souffle chaud sur votre épaule. Oh là! Combattre. Rat-taupe rampant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le jeu lag? Allô? Ok. On voit strictement rien. Il nous faut des torches, quoi, putain. Et ben voilà, on est dans la merde. Faut bien installer, il faut bien que les gens aient des torches. Hein. Absolument que des gens aient des torches. Bon, au moins les trucs ils sont pas. Tiens tant qu'il évolue dans l'obscurité, la brutalité, sinon la fragilité. Dégâts augmentés dans un pour chaque râteau palier dans un rayon de 6 mètres. Faut regarder les IA où elles vont. Un rampant et un râteau. C'est quoi ce cannibalisme? Chaque fois que cette unité inflige des dégâts à la santé, elle se soigne du même ton. Tiens. Ouais, il nous faut des torches. D'en avoir là. Ah, j'ai hésité, hein, j'ai hésité comme un fou à mettre. À mettre. Des torches. Hein. Oh merde. Ok, on a trouvé un truc au moins. Oh, il y en a deux. Pas mal. Hein. Comme ça, on le tuera. Ça va sur Taurus. Ça va. On devrait gérer, mais en fait, ça dépend combien il y en a, hein, parce qu'on voit rien. Je sais que là, il y a une goule là ici. Faudrait qu'on augmente l'armure aussi, qu'on commence à crafter. Ah putain, elle ne le voit pas. Qu'on commence à crafter des parties, vous savez, qu'on peut rajouter à l'armure. Parce que ça aussi, on peut en faire plein.
Ah, elle va devoir se mettre. Ouais, parce qu'en fait, ils ont une petite zone de lumière. Il y a encore plein de rats. Oh, j'ai vu des trucs là. Il faut au moins 5 rats encore. Bien. Ok, ça va. On peut pas mettre des torches sur le truc? Sur le cheval? Pas, ça a du sens ou pas? Et ça, c'est vachement intéressant qu'ils aient fait en sorte que il y ait des endroits où, comme ça, genre complètement noir en fait. C'est vachement intéressant. Je suis assez surpris en fait. Oh, ça fait rater complètement. Ok. Même si je le fais dans la bonne direction. Ok, nickel, il est engagé. Ouais, ça va. Vu le comment ça se passe, on devrait être bon niveau kill. Oh, il y en a un là. Ah, putain, ça m'a bouffé mon action. Ah! Bien joué. Donc, faut pas faire des actions dans le noir comme ça. Ok, ça marche. Ça lag, ça, il y a beaucoup de lag par contre dans ici, beaucoup plus que d'habitude. Très bien. C'est pas fini encore. Encore deux là-bas. Elle l'a pris un peu cher, mais ça va. Après, il y a encore une goule. Chier. Ok, la goule, elle est là. Il y a encore des rats. C'est qu'on sait pas où ils sont. On va aller se regrouper à droite.
Bon, l'IA, elle est bien faite. Dans le sens où ils vont pas aller chercher les trucs s'ils les voient pas, en fait. What? Comment t'as fait ça? Inventaire. Non. Comment t'as fait ça? Comment t'as sorti une torche? C'est ça ma question. C'est comment t'as sorti une torche? À ma connaissance, on peut pas. Là, je suis. Je sais pas. Je me mets vers elle pour la protéger. Ok, ça va. Il est bien, lui. Je pense qu'on a bien fait de lui prendre cette attaque. Ça fait double attaque. À ma connaissance, on peut pas changer l'équipement. Hein. J'imagine si le rat il bouge jamais. Taurus, il prend cher. Hop. Pas mal. Oh, on a des crocs. Oula, doucement les. Les cris et tout ça, là, doucement. Qui c'est qui est abîmé? Qui est blessé? Dégâts subis doublés sur Taurus. Ok, alors ça, non. Ça ira. Alors, toi, t'as une torche, c'est bien. Hacker torche. Est-ce qu'on a d'autres torches? Non, ok. Peut mettre une torche à Kirik aussi. Ça va, il se débrouille. Après, Taurus, il est un peu plus faiblard. 31, 40. Ouais, donc on va lui laisser le bouclier. Ça fait 3, 1, 2, 3. 3 personnes. Avec des torches. Après, elle, on peut lui mettre peut-être la volée de flèches de feu. Ah ouais, mais non, mais on va foutre du feu partout. Non, ça va être une horreur. Je crois que ça va être une horreur à gérer. J'en sais rien en fait. Parce que si on fait une volée de flèches en cercle, on peut la mettre partout. Mais bon, si les trucs ils brûlent et tout partout, nous on va passer un mauvais moment. Pour l'instant, ça va. Les compagnons sont fatigués, il faudra se reposer avant de poursuivre l'exploration. Ça marche. Inspecter. Bon, on repousse ses chemins. Allez, on sort. Emprunter, emprunter, explorer. Sortir.
Ok, c'est bon ça. Non. Je vais voir si le mec il disait des choses. Partir. Okay. On va camper. Honnêtement, c'est fun. Honnêtement, c'est fun ce système là. Je suis assez surpris. Encore qu'on a du matériel et tout ça, ça c'est cool. Alors... 10. C'est l'argent. Se reposer, on est bon, je crois. Ah, attends, est-ce qu'on peut pas mettre novice érudit là? Non, toi t'es barde. Toi t'es barde. Novice érudit. Attends, pourquoi? Ressources manquantes, ok. Par contre, il y a combien de chances que tu partes là? C'est qui? C'est... Torte. 60% de chances qu'il s'échappe. Ah, oh, faut tout... Non, attends. Attends. Comme ça. Ah mais il a une... Parce qu'il est blessé, du coup il a une animation un peu débile quoi. D'accord. Capacité d'évasion. 80%. C'est bien. On a besoin de toi en fait, l'érudit là. C'est un peu mieux. Si je fais ça. Est-ce que je peux améliorer les choses en fait? Ah. Ok. Ah, c'est pas mal quand même. Alors maintenant... Le collège des anciens peut être déchiffré au lutrin, seulement si les runes suivantes sont apprises. Après on a ça, et fragment de cet objet, blabla, ok. On va faire ça. Attends, placer l'objet à étude. Ah mais on n'a pas les... Oui, non, on n'a pas les runes. Là par contre on peut. Ok. Ouh, ça devient intéressant tout ça. Ça devient palpitant tout ça même. Réussir à empêcher le prisonnier Palon de s'enfuir. Ok, très bien. Ok, est-ce que ça a avancé? Ah ok, c'est sur 5. Marche. On va en avoir besoin en fait des gens. Vous êtes venus pour me recruter ou pour vous payer ma tête? 150, non!
faut 150 d'influence. Bon, j'espère que ça reviendra, parce que là... Bon, si on reste comme ça, de toute façon, ils peuvent pas s'échapper. Enfin, les deux, ils peuvent pas s'échapper. Il n'y a que lui qui est dangereux, là, l'érudit. Ah, putain. On peut plus lui parler. Mais bon, je pense que ça va revenir de temps en temps, en fait. Je pense que ça va revenir de temps en temps. On a fait plus de torches, on est prêt à explorer encore plus. Allez, c'est parti. Alors, là on connaît un peu le chemin maintenant. Emprunter. Alors, inspecter. C'est vachement bien, il y a plein de trucs dans le jeu, c'est un truc de fou quoi. Alors, dans les boulis qui bloquent le passage, une petite brèche pourrait permettre de compagnon se faufiler. Briser, se faufiler. Non, on va tout briser, je pense. Ouais. Minerai de fer. Inspecter. Ça. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Vous avez découvert rune spectrale. Spectral. Ok, on a une rune. Ça marche. Mais c'est super ce système. Oula, un cadavre. Très grossière, on a vu un coffre. On a vu un coffre tout à l'heure. Crocheté. Ok. T'as encore eu qu'on a des... Oh la vache, avoir des... Merde. Oh la vache, c'est compliqué. Des prisonniers, là. Ça nous aide tellement. Par contre, c'est des coffres compliqués, là. De haut niveau. Ok, cool. Oh, ok. Specté. Je passerai un peu à la bonne combinaison. Ok, ça marche. Porte verrouillée. Donc, faut sûrement étudier. Sûrement étudier avec les ce qu'on a récupéré avec les livres et les runes. Alors, des pierres de toute taille constellent le sol de ce couloir. Elles semblent avoir dégringolé du plafond qui se perd dans les ténèbres. Avancez prudemment. Oui, avancez prudemment. Passer lentement, mais sûrement de l'autre côté. Okay. Ok. Inspecter, je vais voir. Il faut un érudit. Qu'est-ce qu'il a, l'érudit, là? Ah, putain. Chut. Ah, ok, il a plus confiance entre nous. Est-ce qu'on l'a soigné, ok. T'es sérieux? On va jouer à ça? Ça, c'est le centre.
Ah putain, c'est celui-là là-bas. Oh la vache. Eh ben, montagne. Ok, ça fait 3 runes. Non, ça fait 2 runes sur 3. Bon, c'est chemin. Par contre, les runes, elles sont écrites quelque part ou pas? Ah, on peut camper à l'intérieur. On peut camper à l'intérieur, ça tue. On peut camper à l'intérieur, ça tue. Alors, fais voir un peu. Ouais, ça a du sens parce que sinon on peut pas camper, c'est débile. Non, attends. Du coup, comment on fait ça? Si je l'enlève, on perd le 1 sur 4. Ça prend, ça demande combien de... J'en sais rien, on verra. Ah putain, lâche-moi toi. Perdre du... Ah mais c'est là. Ok. Ok, ok. Alors, pareil photo. Alors, un... Ah, la clé. Inspecter. Très bien. Ça, je sais pas si c'est un fragment, un symbole, peut-être. Deux. Ah non, non, là, 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 là. Triangle. Ok, ça fait deux. On en a deux sur trois, on peut forcer le truc. Là. En bleu maintenant. Ça, on avait appris ça. Je vais faire une photo aussi quand même de ça au cas où. Ah, ça c'est le même symbole qu'on a étudié en fait. Alors, maintenant ça. Alors, on avait de la Triforce bleue, mais elle était dans le sens inverse. Ah d'accord, non, 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 c'est bon. Triforce bleue, en jaune c'était aussi de la Triforce, et en rouge c'était... ça, ça. Ça tue. Cliquez. Besoin dans la pièce, porte s'ouvre. C'est terrible ce jeu. Une ambiance est pesante dans le couloir. Vos compagnons se sont observés. Une poterie sourit, des créatures surgissent. Ok, let's go.
On a 10 points, on est au max, on est réparé. On a des torches. On peut voir les ennemis comme ça, en faisant ça ou pas? Non, je pense pas. Non, non, je pense pas. Par contre, on peut placer comme ça, voir si on est à côté. Je pense qu'on va essayer de mettre tout le monde du même côté pour se supporter l'un l'autre. C'est compliqué, hein, ce jeu. Là, je sais pas s'il y a quelqu'un. Ok. Défendre. Enfin, quoi que, attaquer pour le moment. Et cœur, il peut éclairer, il peut fuir et tout ça. Fragilité, nickel. Nickel. Je veux pas foutre le feu partout parce que sinon... Ça va être un peu compliqué, hein, je suis sûr. T'es engagé avec qui ? Avec lui. D'armure. J'ai plus de vie. Pas mal. Où est-ce qu'elle va? Ah, on lui a dit de fuir. Attaquer.
cacher là. Nickel. Encore un. Voilà. Protège. Ça va, ils font pas extrêmement mal parce que là, jouer sans bouclier c'est quand même chaud. On n'a pas besoin de la soigner en fait, c'est un peu une perte de temps. Non, c'est une perte de temps en fait de soigner comme ça. Enfin, oui, il y a la volonté qui joue, mais. Mais bon. Ok, nickel. Donc il reste un rat. Ça, c'est pas un rat. On a un rat qu'on n'a pas vu. Ça va. L'ours il va s'en charger. Faut pas que tu fasses des coups de torche. Hein. Tu viens de taper deux fois. Ah oui, t'as fait coup de torche et taper. Bien, quand je le dis, elle le fait quoi. C'est ouf. Ce qui est bien, c'est 3 coups, donc du coup il a quand même 3 chances de faire du crit, donc du coup il a une chance de... il a plus de chances de, partir en, fureur là. Parce qu'on n'a rien à faire, on sait pas où ils sont. Faire ça, ça devrait les tuer les deux. Voilà, nickel. Ok, très bien. Plus qu'un rat, je pense. Ouais, plus qu'un rat. Yes. Non, c'est pas fini. Ok, on les tue tous.
Oh, joli. Il y a encore des ghouls. Une ghoul, un rat. On va envoyer Taurus de ce côté-là. Ah, on a bien fait de prendre Taurus dans l'équipe, putain. On se met autour de l'ours et tout, c'est top ce système. moi je suis fan. Ça fait tellement très très... genre horreur survie quoi. Où on se fait attaquer par des ghouls dans le noir et tout, et là on se met... Là on a un ours dans l'équipe, donc du coup on se met autour de l'ours et tout, c'est marrant. Ouais, il y a plus de lag dans cette partie-là du jeu. Il y a encore un rat et une goule. Le poney là, faudrait pas le laisser. Ok, vous le trouvez. Est-ce qu'on a... Ouais, on peut. Ça ferait vraiment beaucoup de critiques en fait. Dégâts subis augmentent de 30%. Oh, tiens la goule. Tiens. Je suis vraiment très impressionné de tous les différents types de gameplay qu'il y a et d'événements et de trucs quoi. On va réparer. On en a combien encore de 25. Enfin, faut vraiment être grave équipé hein, quand même. Faut vraiment être très très bien équipé pour faire des donjons comme ça. C'est pas de la merde. La récompense, elle a intérêt d'être énormissime. Parce que là, pour le moment, bon, on a... Ouais. Enfin, voilà quoi. Pour le moment, pas trop ça. Hein. Alors, on a une tombe brisée. Mais en fait, en plus, faut plein de métiers, quoi. Ok, restons concentrés. Ah, j'ai eu des succès. Je pense qu'on a tout fait. Je crois qu'on l'a fait à 100%.
pense qu'on a fait le donjon à 100%. Alors, je vais voir un peu. On récupère encore des trucs avec des runes. On a récupéré trésors anciens, des anciens. Et de l'agglomérat gris. Cet amas de métal et de roches est inexploitable sous sa forme brute. Néanmoins, un bon alchimiste peut se tirer du gigracier. Peut en tuer du gigracier, d'accord. On a du grès légèrement friable. Cette roche pourrait disposer de nombreux usages. Ok. Les trésors, ça a l'air d'être intéressant, mais à chaque fois, il faut les apprendre et tout, quoi. Enfin, faut les déchiffrer, pardon, ça prend des repos. Genre là, on a un bleu. Par contre, on peut pas camper à l'extérieur, c'est un peu débile, ça, je trouve. On devrait pouvoir camper à l'extérieur du truc. Non. J'arrive pas à cliquer sur l'établi. Voilà. Genre fragment d'objet précieux. Là on a trésor des anciens. Fragment d'objet précieux, c'est 5. Alors le trésor des anciens, c'est quoi? Hein? Ça va prendre combien de temps? C'est fou quoi. Bon bah du coup les mecs là on peut pas les laisser. Hein. C'est... Bah, à la limite le bard. Le bard on peut le virer quoi. Mais Torte là c'est devenu un... Torte c'est devenu un mec intéressant. Résigné se déplace à moitié de sa capacité. On peut les... Capacité d'évasion. Moins 20% avec la blessure. Moins 20% avec la blessure. Ouais, ça, on va le garder. On va les garder blessés. Elle, on va faire en sorte qu'elle rejoigne. Peut-être. Peau dure, garde 3%. On doit consommer des fruits ou légumes à chaque repas pour être satisfait. Sanguinaire, peau dure, endurant. Ouais, il est aussi, il est bien, en fait. Fantassin, soudard. C'est un fantassin, c'est comme Kirik en fait. Elle peut rejoindre notre équipe, mais elle a des traits de merde. Constitution. Elle a juste constitution en fait. Elle a seulement ça quoi. Ouais. Enfin, bref, on verra ça. On verra ça plus tard. On va remettre nos boucliers. Très bien. Toi, tu vas... Non, toi, je voudrais que tu retires... Ah ouais, non, mais je peux pas lui retirer l'équipement, en fait. Trop bien. Bon, bah, reste avec ta torche. Taurus, il est bon. Kiriki, il est bon. Est-ce que à... Hacker, on lui laisse la torche ou pas? Non, pas la peine. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Il faudrait finir notre quête. Et après, on rentre. Parce qu'on a que 15 jours de vivre, là. Donc, ça va être un peu problématique. À moins de trouver des loups dans la forêt, ça va être très problématique. Ah ah ah, il y a un mec là. Attaque surprise. Parti. Juste avant qu'on soit fatigué. Alors. Fatigué un peu. Oh la vache. Ils ont l'air d'être un peu relou. Si celle-ci n'a plus d'armure, ok. Ils sont tous au même endroit par contre.
Donc dans un sens, on peut tous leur leur passer dessus en fait à plein de reprises. Je crois. Le chef, il est ouf. Le chef, il est là. Ta mère, le verre. Ok, ça a l'air d'être potable. Peur pour le poney en fait. Là, il faut du support pour Taurus. Will. Bien joué, Will. Bien joué. Ah, fils de pute. J'avais peur de ça. Toi, attaque. On peut se mettre là. Pas mal. Il reste qui à jouer? Pas toi, du coup. Toi, tu vas faire quoi? L'attaque touche au moins. Dégâts infligés dans tous les ennemis dans la zone. Ah, ok. D'accord. Faut pas rester derrière lui. Il est engagé de toute façon, il peut pas bouger. Oh mon dieu, je suis dans la zone. Je suis dans la zone. Attends. Bon, déjà on peut faire ça. Je sais pas où elle est. Ah, quand même, elle est. Il l'a balancé super haute pour qu'elle retombe. Intéressant. Ah, j'aurais dû me mettre à côté en fait. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Fais pas de feu. Pas de faire feu. Thank you.
Enfin, on peut peut-être le tuer directement. C'est bon. Pas de brûler. Notre poney, il est mal, mal mis là. Il est très mal mis. Il va falloir qu'on le sauve. Faut vraiment pas qu'il nous touche à plusieurs en fait. Alors on va passer à travers. Très bien. On va se mettre là. Très bien. Dégâts réduits de 50%. Ouais, mais je suis pas sur le bon en fait. Oh. Okay. Ça va, je peux le provoquer. Ouais, moi je vais provoquer. Non, je vais provoquer lui comme ça on prend moins de dégâts. J'irai provoquer l'autre plus tard. Voilà, 5 pour 5 dégâts. Toi t'es... Ouais. Nickel. Qui va jouer, c'est toi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pas vraiment en fait. Ah, on peut le tuer. Oui, il va le tuer. Y a pas de problème. Voilà. Qu'on peut en prendre d'autres des gens, en capturer d'autres. Bon, c'est vrai que j'avoue qu'avec le coup de la torche, ça fait deux attaques, quoi. C'est un peu mal. Alors... Ça sent bien vite. Yeah. En plus. Ok, ça va. Il est résistant. Enfin, il est résistant. Non, il n'est pas résistant. C'est juste que... On a bien joué, en fait.
Ouais, je voudrais bien récupérer des gens en plus. Encore. Mais attends, il en reste deux? Ah oui, il y a deux aussi, j'avais deux. Il reste 14 points, putain. Ouais, il tank depuis le début du combat aussi, hein, faut dire. Parfait. Alors, fais voir. 69. Ok, merde. Yes, yes. Viens avec nous. Viens avec nous. Devenu bourreau. Oui, il est devenu bourreau. Oui. Critique et dégâts critiques augmentés, ça marche. Ouh. Brigandine de la fraternité, niveau 4. Une brigandine de la fraternité. Faut un peu les... Alors c'est armure 26, garde. Garde 12. Armure 26. C'est quoi? C'est intermédiaire. C'est pas mal, on perd un peu, on perd du critique en fait. Bon après le critique de base il était pas très élevé, donc j'ai envie de dire on s'en fout peut-être un peu. Armure 10, garde 13. C'est le même. Donc du coup on peut le changer pour le... Armure 7. Ah mais il y a protection dessus. Protection c'est pas mal. On gagne quoi? C'est l'armure. De 10, on perd, on gagne 3, on gagnerait 3 en fait. Bon, ça. Armure 20, garde 12, c'est intermédiaire. Ce serait bien qu'on puisse les mettre dans l'ordre là-dedans. Là. Honnêtement, je voudrais bien. 23, ok. Armure 20, garde 12, critique 2. C'est la même. Le transport, j'aime bien le transport. Là, on gagnerait quoi? Du critique en plus. %13. Ça, c'est du léger, je peux pas le changer. Ok, donc on a elle maintenant. C'est équipier paternité. Okay. Ça, on a qu'à le vendre. Ça aussi. Alors. Nickel. Ah, genre quand on peut réparer 20 plus, honnêtement, c'est cool. Hein. Toi, t'es blessé. Dégâts subis doublés. Ça, c'est un problème. Pff.
voulais terminer la mission, ok cool. Ok, on a plus qu'un jour. Ok, stop. Qu'on descende là par contre. Il y a ça là-bas. On est un peu mal en point pour quoi que ce soit là. La prison elle est juste là. Donc on rentre et après on fait la prison. Alors 40%. Si je te mets là, et on met la cœur ici. 20%. 20, 0. Là, je préfère que l'autre soit certain de ne pas partir en fait. Lui aussi, toi tu vas continuer à faire tes études. Là, tu bouges plus maintenant. Tu bouges plus du tout. Plus personne qui bouge. Bon, toi si tu veux bouger, on te coupera en rondelles. Mais là, il n'y a plus personne. Les autres, non. Non, il n'y a plus personne qui bouge. Ok. Ça, il faut continuer là l'étude. Très bien. Eh ben putain, ça nous fait une putain d'aventure là. Vache, je suis extrêmement surpris. Hein. On est à 63. 9. Ok, je pense que c'est bon. Oh, vache. Alors, prisonnier Paléon a essayé de s'enfuir à cœur qui dormait à côté, l'en a empêché. Paléon, c'est le nouveau Paléon? Ah non, c'est elle. Putain. Ok, ok. Alors, Warrington, qu'est-ce qu'elle veut? Le monde est encore plus grand que je ne l'imaginais. Ben, honnêtement, pareil. J'ai l'impression que je pourrais passer toute ma vie à le parcourir sans jamais revenir deux fois au même endroit. Bavarder. Mission avec relation avec compagnon proche. Parler. Relation avec compagnon proche. Exprimer ses craintes. Ah, bavarder la route à prendre l'aventure. Célébrer cette aventure avec les autres. Ah, c'est pas mal l'influence. C'est quoi où on avait besoin d'influence? Ah, bah oui, bah c'est pour récupérer elle. Léon, en fait. Fais voir, toi, t'as des relations avec qui? Strictement personne. Bah, c'est bien. Par contre, j'espère vraiment qu'elle va nous redemander hein, de... si elle peut rester. J'espère vraiment. Sinon, ça va être un peu triste. Allez, c'est parti. On va voir si on a de la pêche à faire, puis on rentre. Vous approchez pas trop de nous. Ouais, ça m'embête là parce qu'elle nous a demandé si elle pouvait rejoindre et du coup, ouais, on n'avait pas le. Ah, ça. J'ai vraiment. J'ai peur qu'elle. Je sais pas. On verra. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. Nickel. On va pouvoir voler du mouton.
Ça c'est déjà bien. Pouvoir voler du mouton. On a quelques trucs à vendre aussi quand même. Très 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 bien. Alors ça. Moyen. Facile. Ah, c'est juste là quoi, en plus c'est cool, on pourra le faire en même temps. Ah, on peut apprendre ça. Ah oui, mais on n'a jamais de miel. Le problème pour la tarte là, on n'a jamais de miel. Donc à quoi ça sert de... J'en ai jamais vu, je pense pas qu'on ait vu des marchands en fait vendre du miel. Donc à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout quoi. Alors, par contre, nickel. Alors, fais voir, faut pas que je me loupe. Ah bah, 2 sur 4, je fais de la merde, c'est bien. Ça me rend fou ce craft. Alors, fais voir. Will. Tu gagnes. Ah, c'est pareil en fait. Ah, c'est juste plus de force quoi. Y a rien de spécial. Ça va, c'est très bien. Tu vas faire plus mal. Ouais. Je suis en train de me dire si les objets de luxe, on peut pas les vendre aux gens, aux marchands de luxe, là. Je suis en train de me demander. On a quoi? On a 450? Ok, pour le moment, on va garder celui-là, la vie de... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? On a 53 métal. Si on les revole, 35 à 60. Enfin, un seul. On en a vendu un ou deux? Un seul. Voir ce qu'on peut crafter d'autres. Les renforts. Ouais. Alors là, non. J'en ai crafté, j'ai même pas regardé si on pouvait en mettre sur les armures. Bah, la réponse est bah non, surtout non. Armure 26, garde 12. Fais voir l'armure qu'on peut crafter, nous. Armure 10, ok. J'ai rien dit. Par contre, on a 15 des matériaux bruts. Est-ce qu'on devrait pas en acheter un peu? Je sais pas trop. Alors, dis-moi que t'as 10 moutons. Yes, t'as 10 moutons. Hop là. Ouh, 72. Putain, presque le max, quoi. Faut que tu t'améliores, hein, pour le voleur, là. Vraiment que tu t'améliores. Prendre des pommes.
Il nous faut plus de nourriture, mais j'ai pas grand-chose avec lesquelles je peux... Genre... Oh, attends, je suis en train de me demander... Ouais, non, non, ils ont des un job. J'ai pas de... Pas beaucoup de choses où je peux faire cuire et tout ça. J'étais en train de me demander, si on fait un deuxième pot, là, une deuxième marmite, là... En théorie, on pourrait encore baisser de 2. Mais du coup, il faut une personne en plus, quoi. Qui s'occupe de la marmite. Après, on a une personne en plus qui pourrait s'occuper de la marmite pendant qu'on voyage, le temps qu'on voyage, en fait. Je pense que ça marche, hein, de faire ça. Non? Vous voyez ce que je veux dire, le temps que qui reste avec nous comme ça. 48. Pour des barres. Ça fait à peine 2 jours, quoi, c'est ouf. Babiole. Okay, très bien, très bien, très bien, très bien. Nickel. On a 400, on a que 2 jours. Mais on peut crafter déjà les moutons. Alors, carpe. Ah, moi je pense qu'on pourrait faire une deuxième marmite. Et à chaque fois qu'on a un prisonnier supplémentaire, là, où, au lieu de le faire en sorte qu'il branle rien, bah, il cuisine, comme ça coûte moins cher pour les maintenir. Ils ont qu'à travailler un peu, hein. On est toujours à 2 jours, c'est incroyable. Non mais... Jouer. Soigner, non. Oh, c'est quoi ça? Oh, des fioles moins chères. Des fioles moins chères, je prends. Il nous faudrait un peu. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Je sais pas trop. Ah non, moi il y a ça qui m'intéresse, mais pomme, blé, miel quoi, du miel. Pas. 55 à 95. On prendra ça plus tard. Quand on aura le sprint plus là, genre je sais où le sprint. Trucs. La course d'endurance, durée de la course augmente de 20%. Je pense qu'on commencera peut-être à voler un peu plus. Et comme ça, on pourra. Normalement, on devrait pouvoir. Il y a aussi ça, là, l'entraînement d'endurance. Ouais. Et quand on pourra se déplacer plus facilement, on volera un peu plus. Comme ça, on pourra esquiver les zones et tout ça. Bon, on va aller. À la prison, je pense. Est-ce qu'on est prêt? On va aller à la prison, on va voir ce que ça nous donne. Ok. Après, on est juste à côté, quand même. Bon, on peut peut-être faire la troupe avant d'aller à la prison. Où tu vas? Bon, je voulais parler à eux là.
20. Il faut les marchands avec leur charrette qui brille, je crois. Je suis quasiment sûr de ça. Ils sont en train de combattre. Oh, go, go, go. C'est rien le glouton. C'est le glouton qu'on doit tuer. Affronter. Affronter avec des loups. Lol. C'est énorme. Ah, c'est énorme. La scierie aussi, il faudrait y retourner là pour récupérer du bois. C'est énormissime. Elle est pas mal, ça. Ah, mais ce jeu a plein de petits événements comme ça. Ça rend le jeu super vivant et super intéressant. Honnêtement, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment fun. C'est vraiment, vraiment fun. Ah, on peut mettre les loups et tout aussi, oui, évidemment. Je vais filer là. Bah voilà. Non. C'est ça qui est super fun dans le jeu, c'est qu'on peut jouer pendant des heures, il y a toujours des trucs nouveaux. Et encore, j'ai pas passé le pont. Je n'ai pas passé le pont. Qui va dans une autre ville et tout ça. Donc voilà quoi. On est loin d'avoir fait le tour. Si on peut pas le capturer, mais je crois qu'il faut l'engager en fait. Ah non. Ouais, voilà quoi. C'est bien. Et du coup, c'est un peu compliqué. On va pas pouvoir là. Attends. Peut-être que si, en fait. Ah merde. Enfin, quoique, normalement, il devrait pas se faire tuer. Elle peut pas y aller. On va juste prendre un peu de dégâts, quoi. Enfin, non, c'est le... Non, ça va, c'est elle. Hop. Yes, nickel. Qu'est-ce qu'on en fait des loups maintenant? On les tue? Hop là. C'est énorme, c'est énorme. Ok. Bon, par contre, maintenant, il y en a 6 de loups. Ok, ils sont en 3 à 3. Ça marche. Ils
ça. Alors, Will. Après, je crois qu'on. Je sais pas si on a des cordes. Oh la vache! Oh, qu'est-ce qui fait mal? Oh mon dieu! Ah ouais, nouvelles armes. Hein. Parce que c'est vrai que les armes, c'est très compliqué à faire. Il faut trouver des. Récupérer des points de compétences, là. De connaissances. Pour pouvoir les crafter. Pardon. Pour pouvoir les crafter. Et du coup, bah ouais, c'est pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Tout petit peu compliqué. Nickel. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va à la prison. Oh putain, comment on y va à la prison? Oh non, faut faire le tour. Faire le tour par la route. On peut faire le tour par la route. Ouais. À 20%, très bien. Ouais, l'ours il doit compter pour cher. Saucisse de loup, très bien. Première fois qu'on en fait. Bon, ça avance toi, ça là? Putain. On aille à la prison maintenant. Je vais empêcher le prisonnier Palion de s'enfuir. Un truc plus reposé. Protection de vos découvertes fait gagner des points de connaissance. Ça, c'est bien ça. Personne veut parler? Non, ça va. Alors, attends. Ou on fait de la bouffe, ou on fait des nouvelles armes. Honnêtement, je suis encore tenté de me concentrer sur la nourriture. On a des barres, on a 8 barres. Comme le wifi, on a des barres, on a 8 barres là. Pas mal. Un peu. Ah, on a l'alchimie aussi, on peut apprendre. Une essence poisseuse translucide, ingrédient essentiel de préparation des huiles alchimiques. Chimiste. Polure, saignement. Anguille, mouton, brochette, poulet, sardine, pêche, perche. Il n'y a pas les barres. Pas les barres. Ok. Bon, ben du coup, on pourrait prendre ça. Vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 5%. Ah, sur les routes augmentée de 20%. Après, un truc que je pourrais mettre, c'est la vitesse, ça. Vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 3%. Parce qu'on commence à être haut niveau en fait.
Et honnêtement, on n'a pas besoin de transport supplémentaire, je pense. Enfin, le 10, il sert à rien. Merde. Donc, ouais. On va garder ça de côté pour s'en rappeler. Comme ça, tout le monde va plus vite, en fait. Faudrait des cages. Il n'y a pas des cages où on met les gens, ce serait bien. Alors, c'est reparti. On a un jour. Un seul jour de ration. Alors, ça va nous aider avec le déplacement quand même. Ce qu'on a là. On a pris. On va enlever. Alors toi t'es un barde. Toi t'es. What? Montrez ce que vous transportez, acceptez. Ah le mouton! Merde, putain. Ah, ils nous ont atta ils nous ont attrapés. Ah, c'est parce que on... ils sont pas vraiment à, la... à notre recherche. Mais quand on passe à côté, ils nous attrapent. Les animaux et Terral là non merci quoi. C'est quoi? C'est des loups monstres? Fantômes? Plus tard. Hein. Alors, bonjour. Livrer un prisonnier. Alors, nous on veut livrer. Doit être hors la loi. Ouais, ça a du sens en fait. Ouais, puisque eux, c'est des gardes qu'on a combattus en fait. Soixante-cinq, 70. Alors, non, on a Paléon et le barde. Le barde, à la limite, on s'en tape. Paléon, c'est chiant parce qu'elle est bien avec nous. Je la garderai bien, moi. Ça fait un moment qu'on l'a avec nous, mais bon. En plus, elle est niveau 2, je crois. Fait chier. Elle a fait plein de potions. Elle a fait plein de potions. Ah, mince alors! C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Bon, lui, à la limite, on s'en tape. Bon, Trifrin, ciao. Merci pour vos contributions à l'ordre public. Et là. Moi, c'est pas que je volerai plus. Recruter. Oh la vache, comment t'es cher. Ça va, Trifra? Trifra vous ignore. Intéressant.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre équipe, là? Alors, on a lui et lui. C'est de fraternité, la garde. Hors la loi. Lui, Torte, il est rien du tout. Je sais même pas d'où il sort, Torte, honnêtement. Torte, on le garde, il est sympa. Par contre, ces deux-là, je sais pas quoi en faire en fait. En fait, ils mangent pour rien du coup. Ou alors. Ouais, mais t'es niveau 2. Denis peut se méfier. Ouais, non, mais lui, on s'en fout. On va le virer, je pense. Elle, on peut peut-être la garder. Et on. Paléon, on la donne. Ça fera de l'argent. Mais bon. On l'a dé... Ce qui est bête, c'est que tous ces niveaux-là, c'est un peu perdu, quoi. Bon, après, on a juste à acheter des fioles. Hein. Ça va vite, hein. Ça monte vite. Pour le niveau en apprenti. Bon, ça fait un peu chier, quoi, mais bon. Et Aegram, tu peux être notre nouvelle alchimiste. Parce qu'en fait, je sais même pas si elle va nous redemander d'être affranchie, en fait. Et ça m'embête. Donc, Thor, toi, tu continues à être l'érudit. Toi, tu vas être notre alchimiste. Nouvelle alchimiste. Livrer un prisonnier. Faudrait que je fasse attention maintenant, genre hors la loi et tout ça. Très bien. Les chaînes. J'ai 15 cordes, je vais en prendre une vingtaine. Parce que les cordes, on les perd, ça, je crois. Les chaînes, j'en ai 3, 4, 5. Très bien. C'est pour crafter du chloroforme. Ça servira à quoi le chloroforme? Endormir les cibles? Genre au combat, ça peut marcher? Ça fait 50. Ouais, non, pour l'instant, on n'a pas besoin de chloroforme. Bon, ça c'est notre érudit. Ça c'est notre nouveau alchimiste. Toi, je sais pas, barde. Un nouveau marmiton, peut-être. T'es fantassin niveau 2, quoi. Ouais, non, pour le moment, je sais pas quoi en faire, en fait. Peut apprendre des chansons et les interpréter dans les tavernes. Pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, on va refaire le campement. Est-ce que je peux recréer une marmite? Non, il faut du bois. Il faut juste du bois. On peut faire une deuxième marmite. À la limite. Voilà, très bien. Transport 7, transport 5. Pourquoi elle a 7 en transport, elle? Lui c'est fraternité, bouclier épée. Lui c'est bouclier et arme. C'est comme Kirik en fait. Taurus, c'est avec les haches. Ah, Taurus il a pas de boulot. Je viens de m'apercevoir du coup. Taurus, il a pas de boulot parce que en fait on utilise Taurus pour couper du bois. C'est vrai qu'on lui a pas donné de métier en fait, au final. On peut lui demander un peu ce qu'on veut par rapport à.
percussion 2. Ouais, on a de la vie en plus. Bah, barde, on n'a pas barde. Taurus, ça peut être le barde. Toi, ouais. Ouais, comme ça, ouais, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, ça ferait une bouche à moi à nourrir. Il nous faut du bois pour qu'on fasse une marmite. Ça, ces trucs-là, on les combattra, mais plus tard. Oh là là, oh là là, oh là là. Il faudra un peu de bois. On est où là? Nous, on est là. Là, on a quoi? Le refuge. Sans nouvelles. Ah, on peut aller au refuge, on a 2 jours encore de... de nourriture. Par contre, faut que j'arrête la vidéo parce que je joue, mais je m'arrête plus. Quoi. Ouh, limite. 13, très bien. Là. Pas voulu me... donner des pierres précieuses, c'est bête. Cinq à 40. 10 sel. Le sel, c'est quoi? C'est 2. 20 pièces. Vous voulez des choses intéressantes quand même, faut pas exagérer. Alors... bien parce qu'on voit tout le monde quoi sur la map, ça c'est vraiment cool. On les soignera avec le temps, les autres. Ah, faudrait peut-être pas leur mettre les bêtes, les animaux côte à côte. Parce que sinon, ils vont pas aimer, en fait. Il y en a un déjà qui aime pas trop. Surveiller des animaux comme du bétail. Et toi? Oh, toi, ça va. 0%, 0... %60. Alors toi 40. Oh merde. %20. Je sais pas si on peut améliorer ça. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ah, il faut mettre l'ours à côté quand même, parce que c'est comme ça, il nous donne des points. J'essaie de comprendre en fait comment ça fonctionne, le système, 20%. Genre, quelle case touche quelle case, vous voyez ce que je veux dire? Ah mais là si je le mets là, ouais 0%, ça veut dire qu'il va il va gueuler parce que machin, on a un ours. L'ours on peut le mettre là du coup. Très bien. Ouais, c'est pas mal là. On va s'arrêter au prochain
Ah, il y a lui aussi, là. Au prochain campement. Lui, là, je sais pas. Lui, il est tout rouge. Je pense qu'il va nous massacrer, en fait. C'est une sorte de bestiole, j'en sais rien. On va aller voir à la tour. C'est quoi, du métal? Ouais, genre ça, je sais pas ce que c'est, ça. Le refuge. Ah, ils vont peut-être pas aimer ce qu'on a fait. Le refuge, c'est pas les gens qu'on était censé aider, mais après on a changé de camp et tout ça parce qu'on a fait de la merde. J'en sais rien. Befline. Fergas. Vous attendez, en fait, nous attendions tous, grâce à vous et à ce que vous avez fait pour nous, les réfugiés, nous avons pris une grande décision. Cette ruine ne sera plus notre refuge, plus qu'un abri. Vous avez montré que nous avons besoin de dignité. Nous allons quitter cet endroit sinistre, exiger de Stormcap d'être traité comme des êtres humains. Nous ne fléchirons pas, s'il vous plaît, accompagnez-nous et soutenez-nous comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. On va laisser passer. Ok. Du remède. Je pourrais vendre des choses. Oh. Genre moins cher. Sans déconner, quoi. C'est combien pour faire une marmite? On va en prendre 4. Si on a un laissez-passer gratuitement, ce serait vraiment cool. C'est vraiment sympa. Okay. Je les ai pas vus du tout, quoi. J'aurais dû continuer parce que j'étais en sprint, en descendant, j'aurais dû continuer. Ah putain, on combat ici en plus. Chier. On a combien? 10? On voit très peu, quoi. Ouais, il y en a peut-être là. Ah, je suis pas fan là. Toi, tu vas comment défendre? Oh là là, putain de poney, quoi. Après, je crois qu'un cheval peut tuer un loup. Hein. Quasiment certain qu'un cheval peut tuer un loup. Le cheval, enfin ça dépend, le cheval s'il a de la chance, en mettant un bon coup de sabot où il faut. Ou genre même en l'écrasant, pas même pas en tapant en fait. Ça fait mal, hein. Le cheval c'est lourd. Hein.
pas en mal, hein, mais ça nous fera de la viande et tout en plus, ça va. C'est cool. Toi, on peut te mettre en attaque, toi. Au final, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué, mais en fait, pas du tout. Tiens. Will, il va faire du grabuge. Toi, t'es... Faut pas passer par là, c'est bizarre. Ah, il y a des souches de bois et tout, d'accord, c'est ça. Ah, ok. Je pensais que ça allait le faire fonctionner aussi, mais non. Mets pas de feu. Enfin quoi, tu vas le tuer. Je sais pas si on est assez proche. La réponse est non. Là, je crois qu'on est en des pourcentages de merde. Ah non, ça va. Bien. Faire attention, là il y en a un peu trop. Ouais. Un tout petit peu trop. Est-ce qu'on peut faire des brochettes? Ce qui est bien, c'est que les loups, maintenant, on peut les cuire pour faire des saucisses, je crois. Donc du coup, c'est de la bonne nourriture, en fait. Après, est-ce que ça vaut le coup de récupérer un loup, honnêtement? Je pense pas. Peut-être un alpha à la limite. Ils font quoi les alphas? On les a tous tués les alphas? Okay. C'est marrant que son attaque à triple quoi elle soit dissociée en fait, avec 1, 2, 3. Parce que dans la plupart des jeux, c'est une attaque à 3 coups. Honnêtement, si la cible meurt au bout du premier, je suis sûr que la personne continue, enfin l'animation se continue quoi. Là non. Ça c'est intéressant. Une chose qui est intéressante, on peut faire genre une équipe avec plein de loups, genre on met 4 personnes avec que des loups, on peut faire du roleplay comme ça si on veut. Là c'est un peu compliqué, il faut beaucoup de nourriture, mais du coup ouais c'est moins cher.
Nous on a un mix. Enfin l'ours c'était honnêtement une chance sur 10 000 hein, j'imagine. De l'avoir. Faudrait retourner à la prison plusieurs fois en fait. J'imagine. Dis-moi, c'est un endroit tout pourri là. Et c'est fini, on a du loup. Pas mal. Qu'on n'a pas au niveau 5. Alors, cette unité peut être assignée au feu de camp ou alors le transport augmente. Après, c'est quoi? Désormais être abattu pour sa viande. Non, non, non. Par contre, les truffes, ça c'est bien ça. Le transport, ça peut être intéressant. Mais c'est pas vraiment. C'est pas vraiment demandé, c'est un peu comme l'ours, c'est pas vraiment demandé, c'est plus un, du combat. Et du coup, si on peut le mettre au feu de camp, ça voudrait dire qu'on aurait des gens disponibles pour autre chose. Ah, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. J'imagine que le transport c'est intéressant. Parce que plus on a du transport et moins ça nous éviterait d'avoir des chevaux en fait. Des poneys et tout ça. Après là, le mettre au feu de camp, ça nous aiderait pas vraiment. Enfin, ça ferait une personne de plus qui pourrait être libre à faire autre chose. Genre par exemple le voleur. Ouais. On pourrait... le voleur, là, normalement, il est au coffre. Mais là, il n'est pas au coffre, par exemple. Puis après, on a vu qu'on pouvait acheter genre des trucs pour genre du cuir ou je sais pas quoi, genre faire sécher du cuir ou un truc comme ça. Donc là, ça fera encore une autre personne qui serait occupée à faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en tout cas, bon, ben on retourne à la ville. On va camper. On va voir ce qui va se passer. Sûrement un gros combat, ça va être bien. On peut le tourner ou pas? Non. Voilà, 4. Parce que normalement, voilà, il devrait être au coffre en fait, le voleur. Bon, tu déchiffres ça, toi?
Putain, j'espère que c'est bien parce que le machin, c'est long, hein. C'est ultra long, hein, pour faire. Donc, intérêt que ça soit magnifique, hein. Genre, on gagne 200 ou un truc comme ça. On avait dit. Ah, une marmite. Ah, on peut pas en faire une deuxième? Vous pouvez posséder cet objet qu'une seule fois. D'accord, ok, ça marche. Ça marche! Donc lui, on peut lui mettre autre chose. Oh, peu importe. Du coup, on n'a pas vraiment besoin de le garder. Ça nous ferait une bouche à moins à nourrir. Bon, par contre, on perd 5. Le transport. Parce que elle, c'est la nouvelle alchimiste. Elle fait partie de la fraternité. Torte, on s'en fout, c'est personne, Torte. Donc ça va être notre érudit, ça c'est bien. Lui, on n'en a pas vraiment besoin. Taurus, ça va être le barde. Donc on peut virer de lui, il fait partie de la garde, lui. En plus, il est que niveau 2. Libéré. Je pense que c'est pas mal. Plus tard, on soignera leurs blessures et tout ça. Mais ça sera plus tard. Voilà, très bien. Moins de bouche à nourrir. Moins de bouche à nourrir, ça fait plaisir. Bon ben voilà, c'est bien. Suis content, ça passe bien. Commence à mieux, beaucoup mieux gérer les choses. Groupe est reposé. On est toujours à 10 en points de bravoure, très bien. On gagne de l'expérience en plus. Je bouge pas les jambes, parce que je pourrais les mettre au feu de camp, genre un quatrième au feu de camp. Ouais, peut-être qu'on mettra un quatrième au feu de camp. Parce que j'ai peur d'oublier le fait, genre si la bravoure on en a pas assez, genre si on est à 0 sur 10, qu'on a tout utilisé par exemple. Bah du coup, il faudrait garder les gens à l'attente. Mais si on en a, si on est, il nous en manque 2, ben juste 2 ça suffit quoi, pas 4. Mais bon. Allez, on va s'arrêter là. Bonne nuit à la prochaine. Enfin, pas bonne nuit, mais enfin bref. À la prochaine, ciao.